affalé sur son divan de velours et de brocart. Berthe à la femme la plus grosse du monde attend son dîner. Des grenouilles pour commencer, foie de volaille, les pâtés et puis un peu d'armagnac. Camion de livreur, les annonces, l'odeur, les crèmes et vins capiteux, les enfants courent joyeux. Ses fesses. Bonjour les chérubins, bonjour les petits snoraux. Et je ne sais pas si vous êtes capable d'apprécier le fait que tandis que s'approche inexorablement l'énorme derrière de Bertha, il a peur, il a vraiment peur, car elle est vraiment grosse. Elle est vraiment grosse et il a beaucoup peur. Il a beaucoup peur. Il a peur. Et elle s'approche car elle supporte un poids immense et c'est pour ça qu'elle a de grosses fesses. Et il a peur, mais il se dit, mais putain, mais qu'est-ce que j'aime ça. Et il se dit, mais putain, mais pourquoi je suis fabriqué comme ça? Et comment je vais faire pour en parler à mes amis? C'est comme un secret. Écoute, faut que je vous dise, j'aime bien quand elle s'assoit sur moi. Ah oui? Mais c'est parce qu'elle est spéciale. Qu'est-ce qu'elle a? C'est parce qu'elle est super. Et vous riez, mais vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas, car vous ne savez pas. Ce que c'est d'être si différent de la moyenne. Car de psychiatre en psychiatre, il parle de l'acceptation de soi. Et son psychiatre lui dit, ce n'est pas grave. Et lui dit, non, c'est grave. Et comment je vais faire pour la présenter à maman à Noël? Maman, voilà Bertha! Ah, bonjour! Il nous avait parlé de vous! Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Il n'y a rien? Rien? Non, il y a quelque chose. Tu la regardes bizarre. Non, non, oui. Et pourquoi? Elle est grosse, mais bon. Ça te dérange? Non. Et c'est tous les problèmes familiaux avant Noël qui viennent d'apparaître. Et comment faire pour endurer cette fête superbe et ce petit Christ nouveau-né?